Salut, ça va? Salut. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue aussi à notre cours de français habituel. Bien, c'était bien passé. Vous avez terminé les exercices. Oui, non? Ahí voy, profesor. Ok, on est en train de terminer. Bien, pas grave. Écoutez, on va continuer avec notre leçon habituelle. Aujourd'hui, on va apprendre de nouveau vocabulaire. Mais d'abord, avant de commencer, je vais vous poser des questions par rapport au vocabulaire que nous avons découvert hier. Hier, on a découvert du vocabulaire et on va faire la révision. Vous pouvez me dire quelle est la signification du mot clavier. Qu'est-ce que c'est clavier? Teclado. Teclado. Très bien. Quelle est la signification de la souris? Ratón. El ratón. Très bien. Qu'est-ce que c'est écran? Pantalla. Pantalla. La pantalla. Oh, super, bravo. ¿Qué es la significación del verbo toucher? Touche, la touche, toucher. Tocar, no. Tocar, oui. Le verbo taper. Es golpear, como Oui. teclear, golpear. Oui. Quand on parle, par exemple, ici du vocabulaire de l'ordinateur, taper, c'est quoi? Un synonyme, écrire. Taper, écrire, n'est-ce pas? OK, très bien. Eh bien, bravo, vous connaissez bien le vocabulaire. Donc, aujourd'hui, on va commencer par un exercice. On a fait les 26. On a fait les 27 et aujourd'hui nous allons faire l'unité 25. Les services publics et l'administration. Comment marchent les services publics et comment marche l'administration? Où est-ce que je peux retirer de l'argent? Voyons où c'est possible de retirer de l'argent. Ça, c'est une personne. Bien. Et Maria Bernarda, tu vas commencer à lire. La première personne. Bonsoir, prof. Bonsoir. O sea, empiezo a leer desde el muchacho o el muchachito, ¿cierto? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je suis québécois. 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 C'est ma première semaine, Semaine. aunque c'est ma première semaine Oui. en France. J'aimerais savoir quels sont les numéros de téléphone d'urgence, s'il vous plaît. Oui, continue, Nicolas. Alors, pour appeler la police, il faut faire les 17. Sí. Et pour les pompiers, c'est les 18. Et pour les urgences, et si on a un accident, c'est les 15. Oui, Maria Bernarda. Merci. Merci. Est-ce que c'est GP? Change le agent. Nicolas. À Tresbourg, à la Banque de France, ou à un bureau d'échange.
Mais si vous restez longtemps en France, allez dans une banque avec votre passeport pour ouvrir un compte. Ok, d'accord. Bien. Ok, bien. On va vérifier le vocabulaire. Nous allons vérifier la prononciation aussi. Bien. Voilà. Bien, on recommence ici. Bonjour, madame. Je suis québécois. Qu'est-ce que c'est québécois? Que viene de Quebec. Habitants de Quebec. Okay. Oui. Les habitants de Québec sont les Québécois. Bien. Il y a la région, au Canada, il y a la région de Québec. Là, on parle français. Québécois, Québec. Vient de Québec. C'est le gentilice. El gentilicio, gentilice. Québec. Le Québec. Québec, la région de Québec, au Canada. La partie québécoise, c'est la région où les personnes parlent français. C'est ma première semaine en France. J'aimerais, la terminaison, j'aimerais, c'est conditionnel présent. J'aimerais savoir quels sont les numéros de téléphone d'urgence, s'il vous plaît. Alors, pour la réponse, alors, pour appeler la police, il faut faire. Quelle est la signification? Il faut. ¿Qué? ¿Dónde ve? Hace falta. Deber, es un deber, il faut, es decir, ser necesario, una obligación. Il faut faire le 17, et pour les pompiers, c'est le 18, et pour les urgences, si on a un accident, c'est le 15. Bien, continuons. Merci. Et où est-ce que j'ai pu changer de l'argent? Changer. Pourquoi il demande de changer de l'argent? À votre avis, pourquoi il demande où est-ce qu'il peut changer de l'argent? Il a l'argent d'autres villes, d'autres pays, D'autres pays, plutôt pays, oui. Alors, Il faut Nicolas? changer. Il faut changer. ¿Cómo se dice dólares en inglés, profe? Dólar. Il faut changer le dollar canadien à euro. Exactement, très bien, oui. Toutes les réponses sont correctes. Bien, il vient d'autres pays, la monnaie est différente. Et voilà, il va changer de l'argent parce qu'il a des dollars canadiens. Le dollar canadien est différent au dollar américain. En Europe, on utilise l'euro. L'euro. Il y a l'euro espagnol, l'euro français, l'euro italien. Vous pouvez acheter. Sans problème, parce que c'est la même monnaie que vous utilisez dans tous les pays de l'Union européenne. L'Union européenne. Bien. Adressez-vous à la Banque de France ou à un bureau de change. Comment on appelle ici en Colombie un bureau de change? Una casa de cambio. Una casa de cambio, très bien. L'équivalent, c'est un bureau de change. Adressez-vous à la Banque de France ou à un bureau de change. Mais si vous restez longtemps en France, allez dans une banque avec votre passeport pour ouvrir un compte. Nous devons ouvrir un compte bancaire. Alors, en France, il y a des différentes banques. C'est la Banque de France. Je vais vous montrer. J'ai mon portefeuille français. Et je vais vous montrer ma carte bancaire. La carte bancaire que j'ai utilisée en France, ça s'appelle la carte bleue. Regardez. Ça, c'est la carte bleue. La carte bancaire, la carte bleue. Ma banque s'appelle LCL. Quand vous regardez, par exemple, le Tour de France, vous regardez LCL dans le Tour de France. Ça, c'est le sponsor. Sponsor du Tour de France, el que apoya el Tour de Francia. A los ciclistas le ven LCL, c'est la banque.
On dit la carte bancaire ou la carte bleue. Généralement, on dit la carte bleue. No es porque sea azul, sino es la tarjeta. Se le llama la carte bleue. Bien. Adressez-vous, si vous restez longtemps en France, allez-en sin banque avec votre passeport. C'est-à-dire, en France, nous pouvons ouvrir un compte bancaire avec no, notre passeport pour ouvrir un compte. Mais ça, c'est pour les personnes qui vont durer longtemps. Voilà. Et continuons. Soulignez les réponses. Alors, nous avons une activité, répondez. Soulignez les réponses correctes. Le jeune, le jeune. Le jeune, on vient de Belgique, de Suisse, du Québec. Du Québec. Très bien. Du Québec. Il veut des renseignements, téléphoner, ouvrir un compte. Téléphoner. Non, pas téléphoner. Ouvrir un compte. Non plus. Il veut des renseignements. Quel est le Qu'est-ce que synonyme de c'est, renseignements? renseignement? Oui, qu'est-ce que c'est? Il y a un synonyme. Renseignement, c'est désinformation. De renseignement, désinformación. Ustedes no van a encontrar la palabra información, sí la van a ver, pero generalmente se dice renseignement. Renseignement. Bien. De renseignement es información. Il veut de renseignement. Pas téléphoner. Il ne veut pas ouvrir un compte. Il demande de renseignement, désinformation. Répondez aux questions. Qui on appelle canton fait? Canton, attention. De, canton fini par de, la prononciation T. Canton fait. Le 15, c'est pourquoi? Le 15, c'est pourquoi? Si on a un accident. Oui, les urgences. Voilà, le 17. Pour appeler à la police. OK. Le 18. Pour appeler Les pompiers. les pompiers. Très bien. Alors, la lettre B. Que peut-on faire à la banque? Deux réponses possibles. Que peut-on faire à la banque? Changer de l'argent, ouvrir un compte. Okay. Changer de l'argent, ouvrir un compte. Attention. Changer de l'argent, ce n'est pas possible dans toutes les banques. Pourquoi? Parce que la femme dit, alors, adressez-vous à la Banque de France. À la Banque de France. OK? Il faut aller à la Banque de France, pas à toutes les banques. Il faut aller directement à la Banque de France. La Banque de France, c'est quelle banque en Colombie? Banco de la República. Banco de la República. Ok, la Banque de France, Banco de la República en Colombia. Ok, c'est le seul qui es disponible pour changer de l'argent. Él solo te va a cambiar dinero. ¿Te puede ir a otro banco? No. Bien, alors, la poste. La poste, la banque, le secours, voyons le secours, l'administration, comment est l'administration. On commence la lecture, on commence par la poste. Oscar Párraga, tu vas lire l'information, s'il te plaît. Prof, la poste, ¿oui? Oui. On va a la poste pour envoyer, poster une lettre, une carte postale ou, ou un colis. Pour les lettres et les cartes postales,
On peut aussi les mettre dans les boîtes aux lettres de la roue. Le colis est trop gros pour entrer dans la boîte aux lettres. Aux lettres. Oui, très bien, super. Ok, attention. Qu'est-ce qu'on peut faire à la poste? Envoyer, poster une lettre. On ne dit pas envoyer une lettre, on dit poster. Je vais te poster une lettre. Poster une lettre, une carte postale ou un colis. Actuellement, poster une lettre, ce n'est pas normal parce qu'on a les réseaux sociaux. Et une carte postale, non plus. Ça existe en France, mais pas comme à le passé. Dans le passé, c'était culturel. Pourquoi ça existe? Parce que c'est culturel, mais avec les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine. Les colis, oui. Les colis, c'est important de les envoyer par la poste. Bien, vous pouvez trouver dans la rue des boîtes aux lettres. Vous pouvez trouver des boîtes aux lettres. Qu'est-ce que c'est les boîtes aux lettres? Bouchon. El buzón. Très bien. Vous pouvez les poser dans les boîtes aux lettres qui sont dans la rue. Les colis, non. Si le colis est trop gros, il faut aller directement à la poste. Bien, continuons à la banque. Alors, qu'est-ce que c'est un colis? Un paquete. Un paquete. Bien, continuons avec la banque. Continue, qui va continuer, qui va passer, David. Anselmo, David. Prof, ¿me oye? Oui. ¿Ahí me oye? Oui. On va a la banque pour ouvrir un compte. Le banquier nous donne un numéro de compte, un numéro de carte bancaire, une carte bleue. Et une carte bancaire et une carte de chèque. Pour retirer de l'argent, il faut aller au distributeur de billets. On peut retirer des billets de 10, 20, 50 ou 100 €. Ok, oui, un moment. En France, Oui, un moment. Alors, on va à la banque pour ouvrir un compte. Le banquier, c'est-à-dire, c'est el asesor, le banquier, nous donne un numéro de compte ou un numéro de carte bancaire, une carte bleue. Comme je vous ai dit, on parle de la carte bleue, une carte bancaire et un carnet de chèque. En Francia se utiliza mucho el cheque. Usted puede pagar por cheque. Usted tiene su chequera y usted utiliza el cheque. ¿Qué? Aquí en Colombia ya prácticamente eso no se utiliza, a menos que sean grandes transacciones por cheque. Pero allá usted puede pagar una compra en el supermercado con un cheque y es normal. Yo creo que yo tengo una chequera, tengo que buscarla donde la tengo. Bien, pour retirer de l'argent, il faut aller au distributeur de billets. Que es el cajero, le distributeur de billets. En France, le distributeur de billets son différents. Allá ustedes inserta, inserer, que es el verbo insertar, inserer, inserer, insertar, inserer la carte bancaire, composer votre numéro, le mot de passe. ¿Qué es que es le mot de passe? El password, la Oui, contraseña. la contraseña, oui. Vous devez écrire votre code secret. Alors, et après, vous composez la quantité d'argent que vous allez retirer. Insérez, quels sont les différents pas pour retirer de l'argent? D'abord, insérez la carte bancaire dans le distributeur de billets. Après, choisissez le montant. Après, écrivez votre code ou
le mot de passe. Et finalement, vous allez retirer de l'argent. Alors, esos cajeros, cuando usted mete la tarjeta, ellos se la tragan. Se la tragan. Ella entra y no sale. ¿Qué? Queda dentro. No como aquí, que aquí queda asomadita y usted la puede jalar, se la lleva. No, allá se la traga el cajero completamente. Si usted escribe tres veces mal el código, no le regresa la tarjeta nunca. La tarjeta se queda ahí en el cajero y le toca ir al banco para que le den una nueva tarjeta. A mí me pasó que yo fui al banco, abrí la cuenta, me dieron mi tarjeta. Cuando fui a retirar, se me olvidó la clave. La hice nuevamente. Era prácticamente un fin de semana, nuevamente y nada. El lunes voy al banco, el banco cerrado. Los bancos no abren los lunes. No abren los lunes. Ok, entonces me tocó esperar hasta el martes para que me dieran una nueva. Bien, retiré de l'argent, il faut aller. Les billets son 10, 20, 50 ou 100 euros. Los euros que hay. Hay de 10, de hecho hay de 5. Hay de 5, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros. Bien, David, continúe la lecture, s'il te plaît. En France, dans les magasins, on payait en espèces, en liquide, avec des espèces et ou des billets, ou par carte, Visa, Mastercard, etc. Pour acheter un ticket dans les bus, il faut avoir de la monnaie. De pièces, Oui, des pièces. de pièces. Il est possible de changer de l'argent, des dollars en euros à la banque. Et voilà. Voilà. En France, dans les magasins, on paye. Le verbe payer. On paye en espèces. En espèces, c'est en liquide. Qu'est-ce que c'est en liquide? En efectivo. En efectivo. Très bien. A ver, de pies u de billet. Le pies, ¿qué son le pies? Le pies son la moneda, c'est la moneda, oui. La moneda, le pies. Bien, al liquide es en menudo también, en efectivo, en menudo. Pour acheter un ticket de bus, dans le bus, il faut avoir de la moneda, de pies. Bueno, los tiquetes. No, no es como aquí en Colombia que yo me subo al bus, le pago al chofer y me siento, paso el torniquete y me siento. No, allá usted tiene una, usted paga el año. Hay varias opciones. Usted paga el año, paga, digamos, 200, 300 euros y eso le da derecho a subirse las veces que usted quiera en la ciudad durante el año. O si no, usted compra los pasajes, compra un pasaje, 5, 10, 15, 20, dependiendo. Y le dan una tarjetica. Cuando usted compra, por ejemplo, 5 pasajes, le dan una tarjetica que es de cartón, de cartón. Usted la utiliza, la guarda en su cartera y usted la vuelve a utilizar hasta que se les acabe. Yo les había dicho que cómo funciona el sistema de transporte, qué tiene que hacer con esa tarjetica. ¿Cómo marcarlo en algún lado? No recuerdo en dónde exactamente, pero sí que había dicho que tocaba marcarla antes de subir. Oui. Ok, voilà. Se llama composté. Composté es registrar. Composté. Alors, je vais vous montrer. Voyons. Ok. Alors, je vais vous montrer comment on composte les billets. Dans les bus y dans les trains. Eso se hace en el tren, en el bus
C'est assez Trois, d'être. que la SNCF commençait à retirer progressivement la quasi-totalité de ses composteurs. Vous savez, ces Composteur. appareils jaunes avec un œil et une bouche qu'on trouvait dans toutes les gares françaises. Qu'est-ce que j'ai... Ok, estos son les appareils pour composter de l'argent. Son de esta manera. Ok, que usted no trefue un nouveau. Vous ne pouvez pas vous imaginer ma joie quand j'ai appris début 2023 que la SNCF commençait à retirer progressivement la quasi-totalité de ses composteurs. Vous savez, ces appareils jaunes avec un œil et une bouche qu'on trouvait dans toutes les gares françaises. Qu'est-ce que j'ai pu les détester? Je vais vous expliquer pourquoi. En France, avant 2023, chaque billet de train acheté au guichet devait être composté avant d'accéder au train. C'était marqué dessus en gros. Il fallait... Ok, la SNCF es la Société Nationale de Chemin de Fer. Esa es la que una sola empresa que dirige todo el sistema de transporte en Francia. Este es un tiquete de tren, porque es grande. De tren cuando usted va a viajar de una ciudad a otra. Es de este tamaño. Aquí le dice billet à composter avant l'accès au train. Présence à quoi à qué obligatoire du. Avant de part. Ok. Billet à composter. Composter es el verbo registrar. Miren, este tiquete de Paris Château Thierry. Château Thierry. Ok. Un adulte. Un billet pour un adulte. Utilizable du vendu 11 au 28, 11 2022. Ok. Te dan un tiempo para utilizarlo. Aquí te dice la hora en la que tú sales. Paris Château Thierry, train. De hecho, si usted compra el tiquete hoy, no es necesario que lo utilice hoy mismo. Lo puede utilizar mañana. Hay veces las fechas son más largas. Creo que tiene hasta 3 meses para poderlo utilizar. Allez donc l'insérer dans la fente pour que date, heure et nom de la gare puissent être imprimés dessus. Ok. Miren, aquí lo composté. ¿Qué viene? ¿Qué aparece en el tiquete? Aparece. Marcado aquí lo que ven en amarillo, la date, l'heure y el lieu. Le aparece la fecha, la hora y el lugar donde usted va a registrarlo. Ya este etiquete está composté, ya no lo puede volver a utilizar. ¿Por qué? Porque ya aparece la fecha que lo utilizó. Comme ça, il était validé. Sans ça, il ne servait à rien. Bien. Esta personita que ustedes ven aquí se llama le contrôleur. Il est le contrôleur. Él se sube al tren y le pide los tiquetes, los tiquetes, los tiquetes. El que no tenga el tiquete composté le pide una multa, le coloca una multa. Ça, il ne servait à rien. Sauf que ça ne marchait jamais. En tout cas, pas du premier coup. C'était une loi naturelle, que dis-je, une... Y esto no, no, que yo soy extranjero, que tal, que esto no, no. A todo el mundo le colocan la multa. Malédiction. On insérait le billet. Retournez votre billet, affichait l'appareil. On le retournait. Retournez votre billet, affichait-il encore. On le retournait dans l'autre sens, en vain, comme ça, l'autre face peut-être. Toujours pas. On le re-retournait. Oh, ça marche. Dans la position du début. C'est simple. Patienter derrière un groupe de scouts en train de valider 15 billets pouvait carrément vous faire rater votre train. On pourrait penser qu'avec un billet composté, on vous laissait tranquille dans le train. Mais non. On avait malgré tout droit à un contrôle parce qu'il fallait bien que quelqu'un vérifie si tout le monde avait bien composté aussi. Oui, c'est un contrôle. Les contrôleurs, il fait un contrôle. Prenez-moi, je suis allemande. Et en Allemagne, personne ne composte son billet de train. Alors, forcément, quand je prenais... Ok, ils vont parler de l'Allemagne. Là, c'est différent. Ok, là, nous devons composter le billet. Son obligatoire de composter le billet. Eso se hace en los buses cuando me voy a subir al bus y cuando me voy a subir al tren. Acuérdense que en la ciudad, il y a le bus, le tramway. Le tramway es el tramway. Se llama le tramway. Le tramway. Porque okay, ese va dentro de la ciudad. Y de una ciudad a otra se llama le train, le TGV o le TER. Igualmente, en cualquiera que usted viaje dentro de la ciudad,
Fuera de la ciudad, tiene que composter le billet. Composter. Le billet. Ou le ticket. Composter le billet, c'est obligatoire. Il est possible de changer l'argent de dollars en euros à la banque. À la banque, c'est possible. Bien, continuons. Vous avez des questions ici pour l'administration, non? Les secours, l'ayuda, auxilio. Bien, continuons avec Gregorio, tu vas lire cette information. Les secours. Quand on a un problème, on appelle la police. On va au commissariat de police pour faire une déclaration de vol. Si on vous voulait prendre votre argent, par exemple, la police va chercher les voleurs, la personne qui vole. Si on a un accident grave, problème psychique Physique, important, physique. physique, problème physique important, on va aux urgences, service de l'hôpital. Si on ne peut pas y aller, une ambulance nous transporte à l'hôpital. S'il y a un feu, on appelle les pompiers. Très bien, bravo. Bien, les secours, secours, auxilio, ayuda. Quand on a un problème, on appelle la police, des problèmes généraux. Un problème général. On va au commissariat de police pour faire une déclaration de vol. Une déclaration de vol, okay? Un robo. Si on vous a volé, prends votre argent. Par exemple, la police va chercher le voleur, la personne qui vole le voleur. Si on a un accident grave, problème physique important, on va aux urgences, service de l'hôpital. Si on ne peut pas y aller, une ambulance nous transporte à l'hôpital. S'il y a un feu, on appelle les pompiers. Feu, fuego. Cuando hay fuego, on appelle les pompiers. Al semáforo también le decimos le feu. Le feu. El semáforo se llama le feu, ¿ok? Le feu tricolor, pero se dice le feu. Le feu tricolor, ¿ok? Il y a trois couleurs. Voilà. Continuons l'administration. María Bernarda, tu vas lire l'administration. Por faire des de pa ¿cómo se dice? Papier. Oui, papier, pour faire des papiers. Por faire de papier un cards d'identique, un passeport, un permis de conduire, etc. Il faut aller à la mairie ou à la préfecture. Les papiers o document administratif. Une déclaration de naissance avec l'identique, la date et le de lieu où on est né. Une déclaration de décès pour dire que une personne est morte. Un certificat de mariage avec le nom du mari, de la femme, la date et le lieu où on s'est marié. 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 Ok, bien. L'administration. Voyons cómo es la administración. Me avant de continuar. Aquí en esta parte del hospital y eso, hay un papel que es marrón, marrón, un papier marrón.
Ese papel marrón a usted se lo dan, usted lo llena y usted lo atiende. Bueno, ese documento se lo van a dar después. Por ejemplo, usted va al hospital, usted lo atiende de urgencia, a usted le dan una factura, usted no la paga en el hospital. Usted llena ese papel marrón con su información y usted va a una oficina, no me acuerdo cómo se llama, y usted paga. Y después, en una semana, le hacen el desembolso. Si usted está cubierto 100%, le devuelven el 100%. Si usted está cubierto el 90%, le devuelven el 90% del valor que pagó. ¿Okay? Entonces, hay un grado de cobertura. Yo cuando iba allá al médico, de hecho, a mí me operaron allá en Francia de la apendicitis. Y a mí me tocó pagar alrededor de 200 y pico euros. Yo vine, los pagué y a la semana ya los tenía en mi cuenta, me lo habían reembolsado porque estaba cubierto al 100%. Pero usted tiene que pagar. Paga y le devuelven el dinero. ¿Ya? Así funciona el sistema ya. Ok. Buffer de papier. Incarte de identité. Identité. Termina en E y tiene tilde, se pronuncia la E. Un passeport. Un permis conduire. Etcétera. Il faut aller à la mairie ou à la préfecture. La préfecture, bueno, la mairie, ¿qué es que c'est la mairie? Alcaldía. ¿Qué es que c'est la préfecture? Bueno, la préfecture es, digamos que la gobernación. Ahí se hacen muchos, muchos trámites en la prefectura. ¿Ok? Por ejemplo, le papier ou document administratif, une déclaration de naissance. Si usted va, por ejemplo, a pedir una visa de trabajo, usted va a la prefectura. Si usted para los contratos y eso, usted se dirige a la prefectura. Permiso de trabajo, visa de trabajo, a la prefectura. Bien. Le papier ou document administratif.